pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Y me tiene loco. Monsieur Lopez Mendez, je ne sais pas quoi dire. En fait, je pensais qu'on avait déjà parlé de tout ça. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Ne dis rien, ça n'est pas nécessaire, mon sucre d'orge. Ça ne changera pas ce que je ressens pour toi. Tu sais, je suis à un tournant de ma vie où je n'ai aucune raison de cacher ce que je ressens. Cependant, comme tu le vois, je suis ici comme un jeune collégien devant la femme qui me plaît. Mais moi, je suis amoureuse de Max. Et je crois que tout Mascarada est au courant. Oui, oui, je sais. Tout comme je sais que votre relation n'a jamais été très constante. Mais elle n'a pas été constante à cause de moi. Parce que j'avais honte de sortir avec Max, étant donné mon passé lourd et obscur qui me poursuivait. Mais à présent, et ce, grâce à vous, tout ceci a été clarifié. Plus rien nous empêche d'être ensemble, Max et moi. Si tu penses pouvoir prendre ma copine sous mes yeux sans que je réagisse, alors tu te mets le doigt dans l'œil, parce que c'est exactement ce que t'es en train de faire. T'essayes de me voler ma copine. Je ne cherche pas à te prendre ta copine. Tu te trompes et tu es loin de la réalité. Alors dans ce cas, explique-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu es prêtre, respecte Dieu, respecte l'Église et reste-y. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu espères en parlant de sentiments à Amelia? Qu'est-ce qui se passe? Stop, arrêtez. Ne vous disputez pas, ça suffit. Axel, s'il te plaît, va-t'en. Laisse-moi seule avec Sébastien. Je t'appelle quand j'aurai fini de parler avec lui. S'il te plaît. Entendu. Je vais t'offrir une dernière opportunité de choisir de ce que tu vas faire de ta vie. Soit tu continues à jouer ton rôle de prêtre, Axel. Ou alors tu me déclares une guerre ouverte. Ou bleue, ou rouge. Il fallait que je te voie, Julia. Qu'est-ce que ce clown fait ici? Il voulait pénétrer dans la maison. Mais j'ai déjà prévenu Monsieur Lopez Mendez pour le remettre à la police. Je m'en occupe, Chelsea. Quelle partie de « Je te déteste » t'as pas compris, Gregorio? Comment t'oses encore venir à la maison? Ça me donne vraiment envie de te voir prendre une bonne raclée pour avoir dépassé les bornes. T'es sérieuse quand tu dis ça? T'es qu'un maudit rat d'égout qui n'a fait que m'utiliser pour te venger de ma famille. Ok, Julia. Si c'est ce que tu veux, ok. Jeune homme, Julia s'est engagée auprès de moi et elle va devenir ma femme. Est-ce que c'est clair? Soyez heureux. Tu me lâches ou je dois continuer à me ridiculiser devant ce couple heureux? Oui, Santiago, relâche-le. Ce jeune homme a à présent compris qu'il n'a plus rien à faire ici. Et maintenant, tu sors de ma vie pour toujours, Gregorio. Comment osez-vous venir chez moi et me traiter d'assassin alors que j'ai étroitement collaboré avec vous? Vous avez peut-être des preuves contre moi? Moi, je n'ai tué personne. Calmez-vous. J'ai juste besoin de connaître quelques détails afin de relier les faits entre eux. Nous pensons qu'Ezekiel a tué votre frère. Je ne me souviens plus de son Augusto nom. Augusto Aragon. Mon père. Exact.
Alors, ça n'est pas tiré par les cheveux de penser que vous, par vengeance, vous avez tué... Leoncio López Méndez. Les choses ne se sont pas passées comme ça. Mon père a été assassiné. Continuez, 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 allez jusqu'au bout. Qui a tué qui, mon cher Fusto? Le frère d'Ezequiel est mort dans des conditions très mystérieuses. On n'a jamais su comment. En réalité, Ezequiel n'a jamais voulu dire non plus de quelle façon il était mort, mais il s'en est servi comme excuse pour tuer mon frère. Et voilà tout. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu veux bien m'excuser si... Si tu me vois comme ça en train de... bafouiller, parce que, à vrai dire, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas exprimé ce que je ressens comme ça, d'une manière aussi ouverte, et bien... Et au risque de commettre une erreur. Je veux que tu saches que tu me plais beaucoup. Énormément. Et que jour après jour, tu grandis dans mon estime. Pour tout vous dire, vous me flattez beaucoup, mon cher Ezequiel. Mais comme je viens de vous le dire, j'aime Max. Et je l'aime vraiment. Ok. Pourquoi il me dit ça ? On va faire une chose, d'accord ? Je veux que tu cesses de travailler au dépôt. Pour devenir votre assistante ? Non, 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 non. Non pas pour être secrétaire, mais pour poursuivre une carrière au sein de l'entreprise, où tu apprendras toutes les ficelles du métier concernant notre affaire familiale. Voilà pourquoi j'aimerais que tu travailles directement avec Julia. Avec Julia ? Votre fille ? Dans le domaine des cosmétiques, avec les top modèles et le maquillage et tout ça ? Je l'appelle tout de suite et je lui dis qu'à partir d'aujourd'hui, elle a une nouvelle assistante et apprentie. L'idée te plaît ? Mais comment ça pourrait ne pas me plaire, Ezequiel ? Tout ce qui m'arrive, c'est vraiment super. En plus, je pourrais vous dire que je commence à avoir l'impression que la vie s'offre à présent à moi et qu'enfin, il m'arrive des choses géniales. Dis-moi ce que tu ressens réellement pour moi. Ok, Amelia. Je vais te dire la vérité. Tu sais, sincèrement, je ressens beaucoup de culpabilité envers toi. Et je ne me pardonne pas de t'avoir menti durant tout ce temps. Je n'aurais jamais dû te donner de faux espoirs, tout en sachant que ma véritable vocation était d'être prêtre. Serais-tu en train de me dire que tu te sens envers moi coupable ? Amelia, sache que je me sens responsable de ta souffrance. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu souffres avec cet homme. Eh oui, je sais que ta mère a raison, que je n'ai pas le droit de te troubler ainsi, mais comment faire ? Allons. Dis-moi comment faire si en même temps je me rends compte que je ne peux pas t'abandonner. Ma mère ? Et quand as-tu parlé avec ma mère ? Amelia, on s'est parlé à l'orphelinat, elle est venue, mais ce n'est pas le plus important pour l'instant. Oh. Amelia, ce que l'on devrait faire, c'est de mettre un terme à cette relation. On devrait tout arrêter. On est vraiment en train de se faire du mal, là. Une personne est morte de façon mystérieuse et la police n'a pas du tout enquêté à ce moment-là. Oui. On a découvert qu'Ezequiel avait caché le suicide de son frère. C'était une honte pour lui. Enfin, c'était les rumeurs à l'époque. Moi, je n'étais pas présente. Dans ce cas, tais-toi donc. Ezequiel López Méndez a tué mon père injustement, Monsieur Torrealba. Et il a fait la même chose à mon frère. C'est lui que vous devez mettre en prison. Pas mon oncle. Il serait incapable de faire une telle chose. Dommage qu'à ce moment-là, vous ne soyez pas tombé sur un policier aussi têtu que moi, qui n'aurait jamais laissé tomber une affaire pareille. Nous avons des choses à faire. Vous avez fini ? Voyez-vous à quel point il peut être facile de collaborer pour que la justice soit faite ? Je vais me rendre chez Ezequiel afin de voir si sa version des faits coïncide avec la vôtre. Je vous souhaite une bonne journée.
C'est ici qu'opère toute la magie. De ce bureau sort toute la créativité nécessaire aux campagnes et à la création des lignes de cosmétiques de Mascarada. C'est le bureau de Leandro et de Xavier. Même si Julia passe son temps ici, et toi aussi tu le feras. Parce que leur travail à eux dépend beaucoup du vôtre. Bienvenue à bord. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Mais regardez qui voilà. Oui, on m'a déjà dit que tu vas travailler ici. Et ne m'appelle pas patronne, je suis Julia, ton amie, point barre. Tu vas voir, on va s'amuser énormément et tu vas beaucoup apprendre. Alors, c'est bien vrai que maintenant, en plus du travail, il va falloir former des gens inexpérimentés. T'inquiète pas, Camilla. Tu sais que dans tous les jobs, il y a toujours quelqu'un qui cherche à gâcher la journée des autres. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu sourire comme ça, papa. Tu es heureux ? Fiston, heureux, c'est peu dire. Il va falloir t'habituer, c'est clair. Parce que ton père est en quête du bonheur absolu et il l'obtiendra. Il faut que je te parle d'un truc que m'a demandé Fernando. Un instant, ma belle, car on va me raconter un ragot. Crache le morceau. Raconte-nous. Il va avoir un enfant avec moi. Mon Dieu, ce type est vraiment prêt à tout. Ah, ma belle, je ne sais pas, ça ne me dit rien qu'il vaille. Oh, comment tu pourrais tomber enceinte d'un homme que tu connais à peine, Yeli, s'il te plaît? Sans mariage, il n'y a pas d'enfant. Non. Alors rends-moi service et serre bien tes jambes. Mais attends, il veut être papa, Chila. Et ça va nous unir encore beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Un enfant, c'est quelque chose pour la vie entière. Tu peux connaître, Yeli, à la perfection la valeur d'un homme, mais pas ses intentions, tu comprends? Et c'est la seule chose que tu connais de lui, avec à peine trois trucs en plus, oui ou non? Le truc, hein? Mon Dieu! J'ai un souffle au cœur à chaque fois que je vois cet homme entrer par cette porte. Salut, jeune homme! S'il te plaît, Rosario, contrôle ses hormones, sois ferme! Bonjour, Rosario. Qu'est-ce que tu veux, Xavier Lopez Mendez? J'écroule sous le travail, papa. Ne t'inquiète pas, fiston, je ne serai pas très long. Je suis juste venu te dire que tu n'auras plus à descendre au dépôt pour aller voir Camilla. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je lui ai proposé de travailler avec Julien. Je veux lui donner l'opportunité de faire carrière au sein de l'entreprise et de prendre en main l'affaire familiale. Je les ai laissées là-bas toutes les deux, heureuses et contentes, dans les bras l'une de l'autre. Et on peut savoir pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que t'attends de sa part en échange? Fiston, je sais ce que tu penses, mais je veux que tu saches qu'il est bien clair pour moi que Camilla, elle t'aime, qu'elle est amoureuse de toi. C'est vraiment clair pour toi? Oui, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à me battre pour gagner le cœur de Camilla. Et je te le dis en face, parce que je trouve ça juste que tu l'entendes de ma propre bouche, pour ne pas tomber des nues ensuite. Ce ne sera pas aujourd'hui, ni demain. Mais Camilla sera à moi. Ça, je te le jure. Tu sais quoi? Je te remercie vraiment pour ta sincérité, du fait d'être venu jusqu'ici pour me le dire en face. Mais je suis vraiment désolé de te dire que ça ne servira pas à grand-chose. Pourquoi, fiston? Tu ne me crois pas capable de rendre une femme amoureuse et de la séduire? Non, bien au contraire. Je te crois vraiment capable de rendre n'importe quelle femme amoureuse. Le truc, c'est que Camilla n'est pas n'importe quelle femme. Eh bien, il faudra que je redouble d'efforts, non? Il faudrait pour ça que tu renaisses. À une autre époque. À une autre période où je n'aurais pas fait la connaissance de Camilla. Et qu'elle ne serait absolument rien à mon sujet. Ça serait le meilleur moyen pour qu'elle soit enfin avec toi. Tu sembles sûr que je vais échouer. Je ne sais pas si tu vas échouer, mais je suis sûr de l'amour que Camilla ressent pour moi. Et c'est ma victoire. Je suis sûr que Camilla m'aime parce que j'ai appris à gagner son cœur. Et à vrai dire, je ne sais pas si à ton âge, il est bien raisonnable de se lancer dans une telle aventure. Laisse-moi décider si je veux ou non me lancer dans cette aventure, fils. Ah, mais fais-le. Mais ne viens pas me dire ensuite que je t'avais pas prévenu.
Tu es en train de te lancer dans une bataille pour laquelle je suis avantagé sur toi. Parce que je connais bien Camilla. Et ce n'est pas ton cas. Écoute, fiston. Je suis tellement sûr de te battre que je préfère te voir avantagé pour que tu ne viennes pas dire que je t'ai pas donné ta chance, ok? Non, Sébastien, non. Si toi, tu es confus, c'est parce que tu es en train de réfléchir en tant qu'homme et non en tant que prêtre. Je ne crois pas à ce petit discours bon marché que tu dis ressentir pour moi de la culpabilité et des remords. Amélia, arrête. Arrêtons de nous mentir plus que ça. Toi et moi, nous ne pouvons vraiment pas vivre cette relation. À un moment, oui, j'ai pensé qu'on pouvait parvenir à être amis. Mais à présent, je me suis rendu compte que ce n'est même pas possible, Amélia. Alors sors d'ici et ne reviens plus jamais. Allez, ne reviens plus me voir, ni parce que tu t'inquiètes pour moi, ni pour Julia, ni par culpabilité. Va-t'en de chez moi. Tu es venu ici pour me rendre confuse dans ma relation avec Axel. Et à présent, tu me sors ce discours religieux bon marché. Sébastien, sors de chez moi. Tu es toujours fâché à cause de ce malentendu ? Tu as exagéré en me disant ça, de but en blanc, que tu voulais goûter à mon dessert. Je ne suis pas une fille facile, Xavier. Rosario, je voulais parler du dessert qu'on était en train de manger. Tu as goûté au mien, il était normal que je goûte au tien. Oui, oui. Vous pouvez aussi vous rapprocher pour pouvoir écouter ce qu'on est en train de dire. Faites très attention, Xavier, parce que... Dis-moi, ici, dans ce salon de coiffure, il n'y a aucune commère, mon chéri. Xavier, tu voulais vraiment goûter au dessert, à mon dessert, pour de vrai? Ah, pardon. D'habitude, jamais d'arrière-pensée comme ça, mais il faut que tu me comprennes, car c'est pas du tout facile pour moi. Ça te dit si, à présent, c'est moi qui t'invite? On va aller prendre un café au bar du coin, qu'est-ce que t'en dis? Ok? Je trouve que c'est une très bonne idée. Jeunes gens, à partir d'aujourd'hui, Camilla va travailler avec moi. Elle sera mon assistante dans le domaine créatif et pour les campagnes. Entendu. Contrairement au domaine de la distribution de produits, ici, nous n'avons aucun horaire. Mais je peux entrer et sortir quand bon me semble? Oui, du moment que tu auras fait le travail qu'on te demande. Et le must, c'est que tu travailleras aux côtés de Max. Viens, on va regarder les photos de la campagne Mère et Fille sur laquelle j'ai travaillé avec Chila. Attends, répète-moi un peu ce nom pour voir. Qui, Chila? Va des rétros, Satanas. Si jamais je dois travailler avec cette traînée, je vais vite aller chercher de l'eau bénite et un crucifix. Je suis sûre qu'elle est toujours restée la même. L'amante de celui qu'on ne peut pas nommer. Tu as vraiment de l'imagination, allons travailler. Vraiment, cette campagne a été très réussie. Est-ce que tu te rends compte que ce jeune homme a eu le culot, Ézéchiel, de pénétrer dans ta propre maison? Il n'a pas le moindre respect pour toi. Heureusement qu'on était là, Santiago et moi, pour le virer manu militari. Non, Shelson. Ce n'est pas moi que Gregorio ne respecte pas. Celui qu'il ne respecte pas, c'est toi. Et si tu ne te ressaisis pas, il va te prendre ta petite amie et adieu le mariage. Bon, ben, à présent, tout est réglé parce que j'ai demandé Julia en mariage et elle a accepté. Il ne reste plus qu'à fixer la date et à nous marier. Mais pourquoi fixer aussi vite une date, Ézéchiel ? Non, tu crois pas qu'on devrait attendre un peu? Ici, il n'y a rien à attendre. Ce mariage aura lieu, et le plus tôt possible. Et par ailleurs, je veux un mariage organisé à la perfection. Julia n'aime pas les surprises. Et je ne veux pas qu'elle ait l'impression qu'on la pousse à se marier. Et ça, c'est ton travail, Shelson. Je sais vraiment pas ce qui vous prend à tous les deux. Vous parlez de Julia comme si c'était une vache à qui vous vouliez tirer du lait. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous êtes en train de planifier. Et tu crois vraiment que tu peux donner ton avis ici? Que tu peux ouvrir la bouche alors que c'est de ta faute si Julia est aussi rebelle? Car tu n'as pas su l'éduquer, lui inculquer des principes et des valeurs. Tu crois que tu peux te permettre de donner ton avis à présent? Tu ne crois pas qu'il est un peu trop tard? Je vois que c'est un peu difficile. Non, Camilla, Camilla. Écoute, ne t'inquiète pas. Ah, Camilla, je suis si heureuse de voir que tu n'es pas restée en prison. Octavia m'a raconté qu'Ézéchiel t'avait aidée et qu'il l'a fait sans rien en retour. T'as vraiment de la chance. Je vais chercher les croquis dont je t'ai parlé. Excusez-moi. Je suppose qu'à présent qu'on a la certitude que tu n'es pas du tout un assassin, tu vas alors pouvoir accepter Max? Eh bien, je sais pas. Peut-être qu'il aura des regrets. Ah, Camilla, tu es toujours tellement drôle. Et pourquoi? Ah, j'ai oublié d'enlever mon nez de clown. Camilla, je préfère que tu la prennes par moi avant de la prendre par quelqu'un d'autre.
Max et moi, on s'est plutôt pas mal vus. Eh bien, vous travaillez dans la même entreprise. C'est difficile de ne pas vous voir. Tout comme toi et moi, on vient de se voir et du coup, là, tu m'empêches de travailler. Camilla, si Max et moi, on n'a pas couché ensemble, c'est parce que je n'ai pas voulu. Demande-lui. Moi, je respecte les relations des autres personnes. Durant cette période où vous vous étiez éloignés à cause de Roberto, il est venu me voir à plusieurs reprises pour se confier à moi. Et bon, on a un tout petit peu flirté, mais je l'ai stoppé. Et je te jure que je l'ai stoppé. Demande-lui. Alors, je t'écoute, dis-moi tout. Vas-y, dis-moi ce qu'il en est vraiment. Alors, à ce qui paraît, tu cours après Astrid comme si tu souffrais le martyr. Quoi? Non, ne fais pas la tête de celui qui ne comprend pas, parce qu'elle me l'a dit elle-même. Elle m'a raconté que tous les deux, vous étiez sur le point de coucher ensemble et que c'était elle qui avait freiné tes ardeurs. N'écoute pas tout ce que dit Astrid, Camilla, s'il te plaît. Mais je viens juste de parler avec elle et elle m'a presque poussée à venir te poser la question. Et voilà, je suis là. Alors réponds, fais pas mine de ne pas comprendre, Max. Laisse-moi t'expliquer, Camilla. Alors comme ça, c'est vrai? Je le savais. Franchement, les hommes, vous êtes tous les mêmes. Et toi, tu ne fais pas exception à la règle. En fait, un lion affamé serait plus fidèle que toi. Je n'ai pas été infidèle, mais bien au contraire. Eh bien oui, c'est vrai. On a failli coucher ensemble, mais je me sentais très mal. Ah, alors toi, il faut vraiment te surveiller, parce qu'apparemment, à la moindre douleur, tu sautes sur tout ce qui bouge. Il ne s'est rien passé entre Astrid et moi, je te le jure. Parce que c'est elle qui n'a pas voulu. Et selon elle, tu étais son gentil petit toutou bien fidèle. C'est pas ça non plus. C'est vrai. Oui, c'est elle qui m'a stoppé. Mais parce qu'elle voulait que je l'aime, et c'est impossible, Camilla. Je t'aime, toi. De plus, j'étais en colère et toi, tu étais avec Roberto. Hé, minute papillon. Je t'arrête tout de suite parce que c'était pas le cas. J'étais pas avec Roberto. Ce type, ce gros porc, n'a jamais posé un doigt sur moi. Et quand il a essayé, je lui ai donné une telle raclée qu'il ne pouvait plus se regarder dans un miroir. Ok, excuse-moi. Non, je ne t'excuse pas, ce serait bien trop facile. Et c'est pas parce que toi t'es un homme, que t'es en colère, parce que tu penses que j'étais avec un autre type, que tu peux rejeter la faute sur moi. Sois franc. C'est vrai quoi? Sois franc et assume le fait que t'étais sur le point de coucher avec cette pimbèche arrogante d'Astrid. Allez, vas-y, je t'écoute. Ne t'inquiète pas, Ezekiel, car je vais moi-même m'occuper du mariage. Et tu ne vas pas le regretter. Capitaine, on ne vous a pas dit à l'extérieur que nous étions occupés. Alors, bonne journée. Je veux vous parler de la mort de votre frère. Allons-y, Chelso. Toi et moi, on n'a plus rien à faire ici. Que voulez-vous savoir au sujet de la mort de mon frère? La façon dont il est mort. Fausto Aragon l'a tué. Autre chose? Comment l'a-t-il tué? Écoutez, capitaine, je ne vous fais pas confiance. Il ne sortira rien de bon de cet interrogatoire. Mon frère est mort. Est mort. Il restera. Alors que craignez-vous? Si vous n'avez rien à cacher, répondez à mes questions. Que s'est-il passé il y a 25 ans pour que vous soyez devenu à ce point l'ennemi de la famille Aragon? Fausto Aragon a tué mon frère, ça ne vous suffit pas? Le truc, c'est que comme Fausto se comporte comme un lord, et qu'il aime les bonnes manières, et qu'il est bien élevé, les gens ne pensent pas et n'imaginent pas que ce soit un assassin. Mais moi, je connais très bien Fausto Aragon. C'est un voyou qui porte des vêtements de marque. Comment est-ce possible que ce type te déstabilise de cette manière ? Amélia, à chaque fois que tu parles avec Sébastien, tu ne sais plus du tout où tu en es dans tes sentiments. Non, ce n'est pas Sébastien. Je suis amoureuse de lui. L'amour que je ressens pour lui, c'est ce qui me rend si sensible. Amélia, je ne suis pas le genre d'homme à abandonner facilement. Je sais que toi et moi, on va réussir à s'aimer. Personne ne pourra l'empêcher. Appelle ça de l'orgueil, de l'obstination ou de l'espoir. Mais je vais continuer à me battre pour toi. Je le ferai parce que je t'aime. Je vais pas te laisser partir.
Tout comme tu n'as pas couché avec Roberto, moi non plus je n'ai pas couché avec Astrid. Eh bien, je ne sais pas. Et maintenant, j'espère que tu resteras bien sage comme une image. Parce qu'à présent, je vais garder un œil sur toi tout le temps et je vais garder les yeux rivés sur vous deux sans arrêt. Allons, calme-toi un peu. Même si tu es encore belle quand tu es jalouse. Je serai encore plus belle quand je t'aurai arraché toutes les dents avec une pelle. Allons. Au fait, tu es finalement allée parler avec mon père? Oui. Oui, et je l'ai remercié de m'avoir tiré d'affaire comme ça. Je remercierai jamais assez cet homme. Et en plus, au moment de ma mort, mes dernières paroles seront « Merci Ézéchiel » et « Ploum, je mourrai. » Et il t'a dit quoi quand tu es allée le remercier? Il ne t'a pas demandé quelque chose en échange du service qu'il t'avait rendu? Mais comment ça, Max? Aujourd'hui, tu dépasses vraiment les bornes. Que pourrait-il bien me demander en échange? Ton père s'est encore mieux comporté qu'un labrador bien dressé. Ce qui m'a vraiment troublée malgré tout, c'est qu'il m'a dit que... qu'il était amoureux de moi. Mais chacun reste à sa place. Et il ne va pas croire qu'il s'est mis à baver devant moi. Tu sais très bien que je suis pas du genre à me faire embobiner. Je l'ai remis à sa place comme il se doit. Mais tu sais quoi? J'ai vraiment eu l'impression qu'il était sincère dans ses sentiments. Je t'assure. Et bon, moi, je respecte vraiment les sentiments des gens. Merci beaucoup pour le café, Rosario. Mais j'aimerais qu'on puisse aller prendre un café dehors, t'en penses quoi? Ça te dit? Je ne sais pas. Laisse-moi y réfléchir. Ma belle, mais dis-lui oui avant qu'on finisse par se lasser. Ça t'embête, beau gosse? Ça t'embête, Que ma sœur ne soit pas une fille facile? Les hommes sont tous à ses pieds. Allez, exagérez pas. Il est en train de lui demander un nouveau rendez-vous parce que le premier a été un fiasco, non? Et celui-ci aussi. Comme tu es seule, Tila? Tu veux juste que la gamine souffre aussi d'être seule comme toi? Non, chichi. Simplement, je ne veux pas que ça se passe comme pour Yeli, qui ne supportait pas un « je t'aime » à l'oreille alors qu'elle était déjà en train d'offrir ce qu'elle avait de plus beau et elle va finir par tomber enceinte. Arrêtez, ça suffit. Vous allez faire peur à Xavier. N'importe qui à ma place partira en courant, mais j'ai les meilleures intentions envers Rosario. Ah, vraiment, vraiment. N'en fais pas trop non plus, mon chou, hein. Car toutes les fois où je suis venue maquiller des filles à Mascarada, j'ai vu plus d'une mannequin en train de pleurer à cause de toi. Il y en aurait des choses à raconter, hein. Vraiment? Et beaucoup? Amelia, tu es bien trop importante pour moi. Tu sais, quand je rentre chez moi, quand je me couche dans mon lit, je me couche en pensant à ton sourire. Et quand je rêve de toi. Et quand je me réveille, tu es encore là, tu es toujours là. Amelia, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait essayer encore une fois? Laisse-moi te rendre immensément heureuse, s'il te plaît. Je ne peux pas, Axel. Je ne peux pas. Je sais que je ne serai pas heureuse si ce n'est pas avec Sébastien. Imagine-toi qu'une femme soit amoureuse de toi, vraiment, et qu'elle te demande de l'aimer. Tu pourrais l'aimer en sachant que tu m'aimes moi. Tu comprends ce que je veux dire? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. J'ai beau vouloir être heureuse avec toi, je ne peux pas, parce que je suis amoureuse de Sébastien. Et encore plus à présent que je sais qu'il est confus. Tu vas faire une croix sur tout l'amour que je veux t'offrir pour une amitié avec Sébastien. Amelia, je ne vais pas attendre que ce type décide enfin de ce qu'il va faire de sa vie. Je me contrefiche de ce que Sébastien peut vouloir. C'est toi la femme de ma vie. Et je vais continuer de me battre pour toi. Mon amour. Excusez-moi d'entrer comme ça sans prévenir, mais en fait, j'ai vu Camilla et je voulais lui parler un instant. Parler avec moi? À quel sujet? C'est une sorte d'interrogatoire, Torrealba. Ça n'a aucun sens. Non, pas du tout. Le truc, c'est que je suis en train d'essayer d'élucider ce qui a pu se passer il y a 25 ans entre Aragon de la Rosa et Lopez Mendez. Et en quoi ça me regarde, moi, cette dispute entre les Aragon de la Rosa et les Lopez Mendez? Tout. Tout, Camilla, parce que je souhaite retrouver Rosa Blanco tout comme vous. Vous voulez retrouver ma mère, c'est bien ça? Mais aujourd'hui, c'est ma journée, Max. Je vais jouer à la loterie et je suis sûre de gagner. La police à la recherche de ma mère. C'est la meilleure aide qu'on puisse m'apporter. Eh bien, monsieur, dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. Pour commencer, dites-moi tout ce que vous savez sur Rosa Blanco. Jusqu'à présent, la seule chose que je sais, c'est que ma mère va revenir. Enfin, c'est ce que m'ont raconté ma marraine Elda et mère Isabelle.
Et elle est supposée revenir, pourquoi? Je veux dire, j'imagine que vous voulez qu'elle revienne pour sa fille. Mais si elle ne s'est pas intéressée à vous durant tout ce temps, pourquoi le ferait-elle à présent? Eh bien, quand elle reviendra, je lui demanderai et je vous tiendrai au courant. Mais jusqu'à présent, la seule chose que je sais, c'est que ma mère va revenir remplie de haine et assoiffée de vengeance. Enfin, c'est ce que ma sœur a entendu dire au salon de coiffure, de la bouche de ma marraine. Attendez, un instant. Allons doucement, s'il vous plaît. De la haine et de la vengeance contre qui? On ne le sait pas encore. Torrealba, à vrai dire, nous n'avons pas pu apprendre grand-chose au sujet du retour de Rosa Blanco. C'est un peu comme si tout le monde en avait peur. Et vous, vous êtes mêlé à tout ceci également? Comment pourrait-il ne pas l'être? C'est mon associé. Et ma moitié à la recherche du bonheur. Voilà pourquoi j'aime cet homme de tout mon cœur. Tu as été tellement anéantie par la visite de ce policier que tu n'es même pas allée au bureau. Ce qui m'anéantit, moi, c'est de voir l'heure qu'il est et tous les verres que tu as déjà bu. À chaque fois qu'on remue le passé, tu deviens insupportable. Ce pantin de policier veut retrouver Rosa Blanco pour qu'elle puisse témoigner contre Ezekiel. Si c'était aussi simple, moi je l'aurais déjà retrouvée depuis bien longtemps. J'en ai plus qu'assez de Rosa Blanco. Depuis que cette jeune fille est venue à la maison pour nous interroger sur sa mère, tout a été chamboulé. Qu'est-ce que tu vas faire? Travailler. Et toi, occupe-toi un peu, parce que toutes les bouteilles de vin sont vides dans cette maison. Et arrête de me perturber l'esprit avec Rosa Blanco. J'en ai marre qu'on me parle de cette femme. Est-ce que c'est clair? Je vois que je vous dérange, alors on peut peut-être prendre rendez-vous un autre jour à mon bureau. On pourra discuter calmement, ok? Ça me convient tout à fait, Torrealba. Appelez-nous, dites-nous quel jour et nous viendrons vous voir. Bien. T'as vu ça? T'as vu? La police en personne va m'aider à retrouver ma mère. Oh, je suis si heureuse que si j'éternuais, des bonbons sortiraient de mon nez. Tu sais, faire la fête, on devrait le faire tous les jours. À partir de maintenant, ce qui nous attend, c'est que du bonheur. Il n'y aura rien, ni personne qui viendra détruire cet amour. Qu'est-ce qui se passe, papa? T'as besoin d'aide? Je suis venu m'assurer que vous avez bien parlé avec Torrealba. Je viens de le voir sortir d'ici. Il va m'aider à retrouver ma mère. Mais je suis déjà en train de m'occuper de ça, mon sucre d'orge. Ne mêle pas la police à tout ça, ça ne plaira pas à ta mère. Mais dites-moi, pourquoi ça lui plairait pas? Parce que la police est à sa recherche et que tout ceci est un piège que Torrealba est en train de mettre en place. Ne te prête pas à ce jeu car tu porterais préjudice à ta propre mère. Arrêtez, ça suffit. Oh mon Dieu! Voilà à nouveau nos petits choux. Mais lui, comme il est chou. Salut les gars. Ah, Fernando, je suis contente que tu sois là. On est venu apporter les nouveaux catalogues de Capriccio. Ah, mais tu me dois une explication, Fernando. Comment est-ce que tu peux demander à quelqu'un? Et ce petit chou, c'est à qui? Ah, c'est mon petit frère Grégorio. Allez, on va prendre un petit café au coin de la rue, ça te dit, hein? Ok, on vient tout de suite, Sheila. Mais elle est vraiment sans gêne. T'inquiète pas, on fait vite. Bien, mais très vite, s'il te plaît. Jeune homme, tu veux un café? Suis-moi. Excuse-moi. Par ici, par ici. Madame Pérez? Vous connaissez Julia Lopez Mendez? Mon amour, laisse-moi d'abord te dire une chose. C'est Sheila tout court, pas de madame. Parce que moi... Dis-moi, mon chou, je ne suis toujours pas mariée. Et évidemment que je connais Julia, imagine-toi. Elle est mannequin comme moi, elle est si jolie. Vous pensez que vous pourriez lui demander de venir au salon de coiffure, s'il vous plaît? Quoi? Comment? Pour quelle raison, mon grand? Qu'est-ce que tu veux faire à cette jeune fille? Parce que je vais te dire une chose. Je sais parfaitement ce que tes cousins lui ont fait. Alors, si tu veux que je l'appelle, tu dois d'abord me dire pourquoi, pour quelle raison, comment, quand, où. Est-ce que tu lui veux, d'accord? Julia, je veux qu'on sorte. Je sens bien qu'on a besoin de partager des choses comme un vrai couple. Comme le vrai couple que nous sommes. Mais loin du regard de ton papa et loin de cet endroit.
pourquoi on n'irait pas, toi et moi, au ciné? Voilà, on va au cinéma et ensuite on pourrait... Allô? Salut, Chila, ça va? Oui, je suis justement en train d'examiner la campagne sur laquelle on a travaillé ensemble. Oui, les photos sont géniales. Bien sûr, ce serait super qu'on puisse se voir. Ok, ok, on se retrouve là-bas. Bisous. Excuse-moi, Chelsea, mais je dois aller chez le coiffeur et je vais en profiter pour montrer les photos à Chila. Excuse-moi. Cet imbécile de Max et cette marginale de Camilla se sont réconciliés. Oh, mon amour, mais c'est une très bonne nouvelle. Ah, Camilla doit être si heureuse. Et qu'est-ce que ça peut me faire à moi que Camilla soit heureuse ou non, maman, hein? La seule chose qui doit être importante pour toi, c'est ce que moi je veux. Parce que moi, je suis ta fille et parce que je vous entretiens tous les deux, ok? Permets-moi une question. Max et cette jeune fille, sont-ils officiellement ensemble? Ah, mon Dieu, papa. À ton avis, si cet idiot de Max l'a même demandé en mariage? Je pensais que ce voyou de Roberto allait les séparer parce qu'il sait je ne sais quelle histoire concernant son passé. Mais non, il fallait que cet imbécile d'Ezekiel arrive pour la sauver. Ah! Bien sûr, parce que si tu veux rester avec Max, tu ne peux pas attendre que Camilla commette une erreur pour que tu puisses la traiter comme si c'était un jouet. Non! Je me contrefiche de Max. La seule chose dans cette histoire qui m'intéresse, c'est son argent. L'héritage qu'il va toucher une fois que sa vieille folle de mère sera morte. Astrid, est-ce que j'ai bien entendu? Tu es en train de me dire que ce n'est pas Max qui t'intéresse, mais son argent? Papa, je déteste devoir prendre soin d'un homme. Pourquoi je pourrais supporter Max? Pour son argent? Seulement pour ça? Ah, ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, protège et veille sur mon petit corps, Seigneur! J'ai tout un tas de problèmes sur le dos! Frangine, hein? Puisque tu es l'entremetteuse de Julia et lui, un garçon à croquer... Ah, mon amour, relâche tes muscles inférieurs et détends-toi. J'espère juste que ce n'est pas un piège. Mon petit chou, mon petit chou, mon garçon, viens par ici. Car on va t'apprendre de quelle façon traiter Julia. Parce qu'ici, dans ce salon de coiffure glamour, on donne de délicieux conseils. Au bon goût d'amour passionnel. Le plus important, c'est que personne ne l'apprenne, s'il vous plaît, et encore moins mon père ou le sien. Mon amour, mais tu me prends pour une gaffeuse ou quoi? Tu crois que je suis une idiote ou quoi? Oh non, mon chéri, évidemment que personne n'en saura un mot. Si ces deux hommes se détestent, s'ils apprennent ce que j'ai fait au minimum, ils nous tueront tous ici. Alors écoutez, Chichi, Rosario, tenez bien vos langues. Bonsoir, Chila. Comment tu vas? Tadam! Qu'est-ce que tu fais ici? Excuse-moi, Chila, mais je ne peux pas me trouver au même endroit que ce jeune homme. Ah non, ma belle, s'il te plaît, pas besoin de jouer à la comédie, car on est déjà au courant du tout depuis le début. Ce petit chou ici présent nous a tout raconté. C'est super. Et à présent, le salon de coiffure glamour sera votre petit nid d'amour secret. J'adore. Bonjour, monsieur. Et que faites-vous ici? Il y a un problème? Camilla ne vous a rien dit. Et à propos de quoi? Sur le fait que Roberto ne l'embêtera plus. Il en a pris pour 30 ans pour la mort de Gabriel. La vérité, c'est que... nous vous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour Camilla. On ne sait pas comment vous remercier. Vous n'avez aucune raison de le faire, ma mère. Je vous ai dit de me laisser m'occuper de tout, car je l'ai réglé ça et je l'ai fait. C'est vrai ou ça ne l'est pas? Tu ne peux pas accorder autant d'importance à un homme. Cesse de croire en cet amour qui ne pourra jamais être réciproque. Tu ne vois pas qu'il est en train de te mentir? Maman, s'il te plaît, ça suffit. Je t'en prie, arrête de te mêler de ma vie. Tu en as déjà suffisamment fait en te rendant à l'orphelinat pour parler avec Sébastien. Je suis allée lui demander, le prier, l'implorer de te laisser tranquille. Tu crois que c'est facile pour moi? De voir ma petite fille mendier l'amour d'un homme? Hein? Puisque tu n'as pas suffisamment d'amour propre, je suis obligée d'agir. Allô? Oui. Je suis ici, chez moi. Tu vas venir? Ok, je t'attends ici. C'était Sébastien, c'est ça, Amelia. Mais tu ne comptes pas le revoir. C'est complètement insensé. Je n'en reviens pas que tu sois aussi inconsciente et que tu n'aies même pas un peu d'amour propre. Maman, excuse-moi. Mais je veux que tu sortes de chez moi immédiatement.
Non, 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 ma chérie, je ne comprends pas comment tu peux t'exprimer ainsi de cette façon. Maman, toute femme cherche un homme ayant une situation financière stable. Ou est-ce que tu veux que je cherche quoi? Un chauffeur de taxi? Ou un peintre? Ou non, plutôt un plombier? Oui, un plombier. Dis-moi, papa, comment on va faire pour sortir de la banqueroute si je ne trouve pas un homme qui ait assez d'argent pour pouvoir payer à dîner, hein? Mon amour, je t'ai dit que j'allais régler les problèmes financiers que nous avons. Je te l'ai dit. Tu n'as pas besoin de mentir à aucun homme pour obtenir de l'argent. Ah non, 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 non. Non, papa, papa, s'il te plaît. À présent, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi maintenant vous me condamnez ainsi. Parce que quand je vous ai signé ce petit chèque ou que je vous ai fait un transfert d'argent, vous ne disiez rien tous les deux. Et aucun de vous ne m'a demandé d'où venait cet argent, n'est-ce pas? La comédie qu'on a jouée dans la cuisine de chez moi a fonctionné à merveille. Chelsea a complètement gobé l'histoire. Mais c'est vraiment le roi des imbéciles. Et maintenant, il veut même m'emmener au cinéma. Julia, il a fallu que tu l'embrasses. S'il te plaît, ne me parle pas de ça. Et je ne veux pas non plus que tu remettes les pieds chez moi. C'est beaucoup trop risqué pour toi et Santiago est armé, Gregorio. Qu'il me tire dessus s'il y arrive. Je ne cesserai jamais de venir chez toi quand je le pourrai. Qu'est-ce que tu fais ici avec cette fille? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas continuer à me gâcher la vie? J'ai suffisamment de soucis avec mon travail, avec les reproches de ma mère, avec Axel qui insiste pour que je l'aime, et avec toi qui n'es pas sûr de toi. Dis-moi ce que tu as à me dire, et va-t'en. Tu sais, je n'ai jamais cessé de penser à toi une seule minute, et je suis sûr et certain que je t'aime vraiment. Je t'aime, Amelia. Vous voulez que je me retire, madame? Non. Non, reste t'occuper d'elle. Parce que je suis sûre qu'elle va faire un malaise quand elle entendra ce que je suis venue lui dire. Pourquoi es-tu venue, Octavia? Pour te dire qu'Ezekiel ne sera pas à moi. Mais il ne sera pas non plus à toi, Marcelina. Parce qu'il s'avère qu'Ezekiel est tombé amoureux. Il s'est entiché d'une sauvage marginale. Du nom de Camila Espino. Entre, mon petit sucre d'orge, entre. Merci d'être venu. Ça doit te sembler bizarre que je t'ai demandé de venir sans Max. Mais c'est qu'il s'agit de ta mère, de Rosa Blanco. De ma mère? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Attendez, vous avez déjà découvert où est-ce qu'elle vit? Non, non. Mais je pourrais en savoir plus si toi, tu me disais tout ce que tu sais. On pourrait unir nos efforts et on la retrouverait plus vite. Oui, oui, très bien. Comme vous voudrez, monsieur. Après tout ce que vous avez fait pour moi, je suis prête à vous faire confiance, les yeux fermés. Je voulais aussi te remettre ça. Il s'agit du rapport de la plainte de Roberto. Tout est à présent réglé. Roberto a fini par avouer que c'est bien lui qui a assassiné Gabriel. Ainsi, eh bien, plus aucune charge ne pèse contre toi. Ah, monsieur Lopez Mendez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie pour moi. Ces papiers sont pour moi comme un billet pour ma liberté, parce que je suis restée prisonnière durant 13 ans de ma propre culpabilité. Et vous, vous m'avez libérée. Oui, vous... acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.